Bonjour à toutes et à tous, je suis Tim de Space News. C'est aujourd'hui le dimanche 25 février 2024, il est 17h et j'ouvre la huitième visioconférence de la série Les Galactiques 2024. Le thème de ce soir est la planète Vénus. Les informations que je partage avec vous sont de sources purement extraterrestres. Elles sont radicalement différentes des informations officielles terrestres, au point que beaucoup considèrent qu'il s'agit de science-fiction. Mais sachez qu'elles m'ont été confiées en l'état. Je les ai enregistrées noir sur blanc, par écrit et en audio, notamment avec Zen, mon principal contact, dans une série de travaux que nous avons menés ensemble depuis le mois de février 2017, même si j'ai été en contact avec lui plusieurs mois auparavant. Je lui ai demandé de m'informer sur les conseils qui siègent au sein de la Fédération Galactique, ce qu'il fit avec plaisir. Nous y avons travaillé pendant des mois. Le Haut Conseil de Vénus, aussi dénommé le Conseil d'Aven, Haven, occupait le siège numéro 7 de la Fédération Galactique. Vénus est la planète jumelle de la Terre. C'est une planète recouverte d'eau qui est tombée de la planète Tiamat, qui s'est désintégrée à la suite de guerres interstellaires entre deux factions rivales. D'un côté, il y avait des groupes d'alliés rassemblés en Fédération Galactique, et de l'autre, un groupe de colonisateurs originaires de l'Empire d'Orion. Lors de ces guerres, les ondes de choc des armes plasmiques ont créé un déplacement des planètes dans notre système solaire et la désintégration de la planète Tiamat. Tiamat était une grande planète d'eau qui faisait 80% de la taille de Neptune et qui orbitait entre Mars et Jupiter. Après sa désintégration, les morceaux composent actuellement la ceinture d'astéroïdes. L'eau des océans de Tiamat s'est dispersée dans notre système solaire à l'état liquide, attirée par le Soleil, Vénus et la Terre, où elle est tombée du ciel pendant un mois et demi sous forme de pluies abondantes et ininterrompues, des inondations, ce que l'on a appelé sur Terre un déluge. Contrairement aux descriptions que l'on en fait sur Terre, Vénus n'est pas du tout une planète brûlante d'acide sulfurique. Mes contacts extraterrestres m'ont affirmé que c'est une planète d'eau qui est recouverte d'océans et de nombreuses îles de toute taille. Il n'y a pas de grand continent. Et pourquoi y a-t-il autant d'îles? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'eau qui a laissé apparaître simplement le haut des montagnes ou les terres les plus élevées. C'est une planète en 5D, donc en 50 Hz, avec un climat tropical comme les îles du Pacifique sur Terre, avec des palmiers et une eau bleue transparente. Son climat et son atmosphère sont plus stables et plus doux que sur Terre. C'est un havre de paix pour la faune, la flore et pour les contrôleurs humains terriens qui y vivent actuellement. Les contrôleurs terriens ont complètement dominé Vénus, qui est sous leur contrôle. Chaque pays sur Terre se partage des territoires et a pris possession d'une île pour en faire des colonies, en leur donnant des noms comme par exemple Nouvelle-Floride, Nouvelle-Afrique, Nouvelle-Kamtchatka, Nouvelle-Cassini, Nouveau-Québec. Vénus est la seconde planète de villégiature
pour les hautes élites terrestres, et les contrôleurs de la Terre font des allers-retours entre les deux planètes ou s'y installent définitivement. Surtout s'ils ont besoin de se cacher. En empruntant des vaisseaux diplomatiques terriens qui appartiennent aux Agartiens qui vivent dans l'intra-terre ou aux Draconiens qui vivent dans des bases souterraines, les Vénusiens viennent sur Terre dans des stations balnéaires françaises comme Saint-Tropez, Cannes ou Nice parce qu'elles ressemblent aux leurs. Je présenterai les deux conseils qui avaient les sièges 7, le conseil vénusien et le siège 8, le conseil agartien, respectivement les 25 août et 1er septembre 2024, ici sur Zoom. Vous aurez alors tous les détails sur ces deux sociétés. Les plages vénusiennes sont magnifiques avec des installations futuristes gérées par intelligence artificielle. Dans les baies, on peut apercevoir des yachts et des méga-yachts dans une ambiance au luxe raffiné. Ces yachts sont de véritables palaces flottants qui possèdent souvent une plateforme pour recevoir un hélicoptère, un terrain de basket, une salle de sport, une piscine, un studio d'enregistrement, un cinéma, un spa, etc. Vénus est une colonie de la cabale terrestre. À l'heure actuelle, les deux seules planètes encore sous contrôle régressif sont Vénus et la Terre, puisque les contrôleurs sont les mêmes que sur Terre. Ils évoluent et colonisent l'espace comme ils l'ont toujours fait, de manière systématique, en se mouvant d'une planète à une autre. Ils volent vers Vénus en utilisant des salles de saut ou des portails. Il existe des vaisseaux d'ambassade qui transportent à la fois des terriens vers Vénus et au retour des Vénusiens vers la Terre. Ces derniers s'installent dans des stations balnéaires ou des lieux de villégiature. Comme les Vénusiens ressemblent à des terriens, ils portent des jeans et des t-shirts et ils passent inaperçus sur les plages de la Méditerranée. La Fédération Galactique a une biosphère et des vaisseaux stationnés en haute orbite vénusienne et ils vont et viennent d'une planète à l'autre. La société vénusienne est une combinaison de différentes races et cultures essentiellement terrienne, établie en une confédération de colonies. Les Vénusiens d'origine, les natifs, c'est-à-dire les Lyriens qui s'étaient installés sur Vénus au départ, sont devenus des émigrés sur leur propre planète et vivent dans des conditions déplorables et dans la pauvreté. Vénus est dirigée au niveau planétaire par un conseil agissant en coordination avec la Fédération Galactique à bord d'un vaisseau-mère en orbite autour de Vénus. À l'origine, le conseil Avenite, H-A-V-E-N-I-T-E, est une organisation planétaire qui réunit de nombreux États-nations et diverses colonies de la planète Vénus. Suite à la signature du traité de Vénus, et la création du Conseil de Vénus aux Nations Unies sur Terre, ce premier conseil vénusien a évolué vers une organisation à l'échelle planétaire qui exprime la coopération entre les colons et promeut l'indépendance vénusienne de la domination terrienne. Le Conseil de Vénus aux Nations Unies ici sur Terre. Également connu simplement sous le nom de Conseil de Vénus, est un organe de l'ONU qui est chargé de maintenir la paix et d'assurer le bien-être du peuple et la vie native de la planète Vénus. Le Conseil de Vénus a été créé dans le cadre du traité de Vénus en l'an 2000, devenant ainsi le premier nouvel organe créé au sein de l'ONU
depuis sa création. En raison des distances interplanétaires impliquées, le Conseil de Vénus fonctionne souvent comme une organisation distincte ici sur Terre. Le Conseil de Vénus aux Nations Unies cumule les mêmes fonctions que les autres organes principaux, comme le Conseil économique et social, l'Assemblée générale, la Cour internationale de justice, le Secrétariat et Conseil de sécurité, mais ces fonctions ne sont utilisées que dans le contexte des lois appliquées à Vénus et se concentrent sur des questions qui concernent la relation entre la Terre et Vénus. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Vous pouvez poser vos questions. Question de Didier. Alors, ma question, bonjour à tous. Ma question est la suivante. Les natifs de Vénus, ce ne sont pas eux qui viennent sur Terre en vacances. C'est les terriens qui sont allés sur Vénus qui viennent en vacances sur Terre. Ce sont les deux, en fait. Ils viennent sur Terre pour passer des vacances, pour manger les glaces à la vanille et puis passer du temps sur la Méditerranée. Question de Louisa. Si Vénus est une planète paradisiaque, pourquoi venir sur le plan terrestre, profiter des plaisirs qu'il peut y avoir? À quoi l'objectif? Je ne comprends pas trop, en fait. C'est un peu comme pour vous, si on vous ouvrait l'un des vaisseaux et on retenait une place pour que vous puissiez aller sur Vénus, passer des vacances dans une baie magnifique où il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment incroyable, comme me le disait Zen. Est-ce que vous accepteriez ou vous refuseriez parce que vous habitez sur Terre? Mais n'importe quel extraterrestre, je dirais, sauf certains qui sont vraiment des lignées très anciennes, ils adorent découvrir l'espace, et certainement que cette planète, c'est la première planète de villégiature pour les extraterrestres. Question de Lucie. J'ai fait de l'astronomie amateur il y a quelque temps et j'adorais regarder Vénus tellement brillante. Et là, avec ce que vous me dites, je suis complètement abasourdie parce que je croyais qu'il y avait énormément de gaz et de toute composition chimique incroyable. Donc, on nous frime complètement avec ce qu'on observe. Pour l'instant, il y a deux versions. Il y a la version terrestre qui présente Vénus comme une boule de gaz sulfurique extrêmement chaude, à tel point que même certains contactés célèbres la présentent aussi comme telle, en disant qu'il faut traverser des nuages de gaz et qu'ensuite les Vénusiens extraterrestres habitent dans des genres d'habitations sous dôme pour éviter les gaz et tout ça. Et donc on a trois versions. Il y a la version terrestre, où les scientifiques disent que Vénus est une planète inhabitable, où il est impossible de respirer, avec des gaz sulfuriques et extrêmement chaudes. Il y a une deuxième description faite par des contactés que vous connaissez tous, qui la présente comme une planète aussi sulfurique, très chaude, etc., à tel point que les extraterrestres, lorsqu'ils arrivent sur Vénus, sont obligés de changer la fréquence de leur vaisseau pour pouvoir atteindre la surface de Vénus, entrer dans un tunnel et aller vivre dans des habitations qui sont sous des dômes. Et moi, je répète tout simplement ce que Zen m'a dit, et puis mes autres contacts aussi, hein, il n'est pas le seul, qui est ce que je viens de vous présenter parce que c'est la manière dont on me l'a présenté. Mon rôle n'est pas de vous dire de faire un choix. Il y a trois versions au minimum, donc il faut tout simplement écouter. De toute façon, le futur nous le dira lorsque nous-mêmes nous serons interstellaires, enfin plus que nous ne le sommes maintenant. On verra bien ce qu'il en est. Donc moi, je ne fais que vous dire ce que Zen et mes contacts m'ont dit. C'est une autre version. Je trouve que c'est bien de l'écouter parce que ça élargit la perception de la réalité, ça élargit
notre perception du cosmos. On nous dit bien que notre planète serait la seule planète habitée dans tout le cosmos. Donc ça c'est 2 et 2 égale 5. Donc je pense que il faut tout simplement écouter les informations, ni croire ni être contre, c'est simplement ça permet d'étendre sa compréhension du cosmos, peut-être de penser que d'autres planètes sont habitées que nous ne le savons pas, parce que quelqu'un qui a dit 2 et 2 égale 5, et tout est calculé sur cette base. Ceci ne veut pas dire que c'est correct. Question de Sonia. J'aimerais savoir combien de gens peuvent habiter là, combien de personnes qui sont là présentement sur Vénus. Je pense qu'il y a pas mal de monde, hein. Ce sont des millions de personnes. Deuxième question. OK. La deuxième question, c'est les gens en 3D qui sont ici, qui arrivent là-bas en 5D, comment est le transfert? Comment ça se passe d'arriver direct en 5D? Alors, il y a plusieurs méthodes pour passer en 5D. On peut le faire de manière normale. Déjà, quand on va dans un espace qui serait entre la Terre et Vénus, on peut soit y aller de manière normale et on mettra 20 ans pour que tout le système, notre système s'adapte à la 5D, ou alors on est mis dans des capsules holographiques. Question de Suzanne et Sylvain. Je voulais savoir, côté monétaire, c'est-tu de l'argent quantique? S'il y a des pauvres et des riches, qui vient sur la planète Terre? C'est les plus riches et pourquoi? Sur Vénus et sur Mars, il y a des systèmes monétaires, en effet. Les mêmes systèmes qu'ici sur Terre, puisque ce sont les mêmes contrôleurs qui ont mis en place la structure sociétale. Donc, il y a des systèmes monétaires. Et il y a des riches et des pauvres, comme ici, sur Terre. Question de Maria. J'ai bien compris, vous avez dit que l'ONU était aussi sur Vénus. Pas sur Vénus, l'ONU est ici sur Terre. Mais au sein de l'ONU, il y a un conseil vénusien. Question de Ghislaine. D'après tout ce que j'ai compris, c'est qu'on a quand même une similitude entre Vénus et la Terre. Est-ce que c'est juste par rapport à au contrôleur terrien qui se trouve autant sur la Terre que sur Vénus? Est-ce qu'on peut se comparer à ces Lyriens qui sont des immigrés sur leur propre planète? Est-ce qu'on est dans le même schéma? Là, ce sont les mêmes structures puisque ce sont essentiellement des terriens et bien entendu les dracoreptiliens qui sont ici en contrôle là, sur Terre. Donc comme Vénus a été dominée par ces mêmes contrôleurs, c'est exactement le même système. Question de Louisa. Les contrôleurs ont une tendance à s'approprier des espaces comme la Terre, comme d'autres planètes. Sur Vénus, à qui appartenait la planète sont devenus pauvres. J'imagine que sur Terre, c'est la même chose. Est-ce qu'à un moment donné, chacun va retrouver son espace ou ça va durer encore Vous avez votre espace sur Terre et c'est la même chose sur Vénus, c'est le même système. Pour être libéré des contrôleurs, ça c'est toute une autre question. On ne peut pas libérer Vénus avant d'avoir libéré la Terre, puisque Vénus est contrôlée depuis la Terre. Question de Irina. Est-ce qu'on peut voyager comme star sidérienne sur Vénus dans nos corps subtils pendant certaines planetary alignments? Quand les planètes sont dans une certaine position, est-ce qu'on peut voyager sur Vénus sans technologie? Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'un vaisseau spatial pour voyager dans l'espace dans lequel vous pouvez évoluer avec votre corps, entre guillemets, astral. Il n'est pas besoin d'attendre que les planètes soient alignées. Vous pouvez le faire n'importe quand. J'ai une autre question. Bon, ici sur Terre, on connaît la différence entre les plus pauvres et les plus riches. Est-ce que sur Vénus, c'est pareil? La différence est tellement grande ou c'est un peu moyenne?
C'est le même système que sur Terre, à part que sur Vénus, c'est beaucoup plus accentué. C'est-à-dire, il y a vraiment, on voit les différences entre ce qu'on pourrait appeler sur Terre les riches et les pauvres. J'ai une autre petite question. Il y a une femme qui avait publié quelques livres. Elle s'appelle Omnek Onek. Elle disait qu'elle vient de Vénus. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose sur cette femme? Je ne donne pas d'avis sur les personnalités. Il faut que vous vous fassiez votre propre opinion. Question de... C'est Sylvain, sur Vénus par rapport à la Terre, est-ce qu'il y a un océan ou des océans qui ils sont salés ou pas? Oui, le sel a été rajouté par les Arcturiens ici sur Terre. Je ne sais pas pour Vénus. Je n'ai jamais pensé à poser la question. Et ce sont pas des océans, mais des mers, souvent avec des noms latins. Ce sont des mers et pas des océans, et des îles et pas des continents. Question de Franck. Oui, voilà, ça ressemblait un petit peu à la question précédente, mais c'est pour avoir plus de précision sur la faune et ce qui vit dans la mer, en fait. Est-ce que ça reste une planète de secours, on va dire, pour les espèces préservées des mers, les poissons, les baleines, les requins, ou est-ce qu'il y avait d'autres espèces qui vivaient sur cette planète inconnue sur Terre? Et pareil, sur Terre, est-ce qu'il y avait des espèces qui étaient typiques que de Vénus? Ou est-ce qu'il y a aussi des espèces qui ressemblent à celles sur Terre, en fait? Il y a des espèces qui n'existent pas sur Terre, sur n'importe quelle autre planète, voire dans les vaisseaux, dans les biosphères, parce qu'il y a des animaux aussi dans les biosphères. Elles sont tellement énormes que vous avez des tas d'animaux et des animaux qui ne sont absolument pas connus ici sur Terre. Mais il y a des animaux communs, par exemple le dauphin. Le dauphin est commun aux différentes planètes. Question de Louisa. Oui, il y a un adage qui dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ma question, c'est selon ce qui se passe sur les planètes en dehors de la Terre et comme Vénus, s'il y a des conflits, est-ce que ça peut influencer notre état d'esprit? Est-ce que ça peut avoir une influence particulière? Est-ce qu'on peut ressentir ce qui se passe sur l'espace vénusien ou ailleurs? Aussi sur le plan terrestre. Bien sûr, toutes les planètes sont reliées, c'est un peu comme des molécules dans un seul corps. Donc, dès qu'il se passe quelque chose à l'une des cellules, à l'une des planètes, ça se répercute sur les autres planètes. Par exemple, le nucléaire, ici sur Terre, se répercute immédiatement dans l'espace et sur toutes les planètes qu'il compose et dans les différents systèmes solaires. C'est pour ça que les extraterrestres, en général, font très attention au nucléaire. Et se sont manifestés en particulier à partir du moment où la Terre a commencé à utiliser le nucléaire. Si je peux me permettre une question qui rebondit sur la réponse que vous venez d'apporter, nous serions issus de 24 lignées extraterrestres. Est-ce que ça signifie aussi que nos cellules ont la conscience de toutes ces lignées extraterrestres dans nos cellules, qui fait qu'on est connecté et relié? Alors, la réponse est bien sûr, c'est 22 lignées extraterrestres, c'est bien sûr, nous sommes tous connectés. Ceci dit, Louisa, ça n'est pas le sujet de cette visioconférence et nous pourrons en reparler une autre fois. Question de Maria. Oui, alors si j'ai bien compris, Vénus est aussi une planète qui vit la dualité autant que sur Terre, donc le bien, le mal, le chaud, le froid. Est-ce qu'il y a quelque part où c'est neutre? Non, la dualité, c'est quelque chose qui existe en 3D, c'est-à-dire essentiellement sur notre planète ou les planètes similaires. La dualité, on en a déjà parlé, surtout dans les cours de méditation, n'existe pas sous cette forme-là sur des planètes en 5D, en 50 Hz. Question de Lucie. Est-ce que les Vénusiens ou Vénusiennes sont aussi beaux ou belles que la littérature ésotérique nous le dit, parce que c'est des gens qui sont toujours représentés comme magnifiques? Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ça. Merci, Tim.
Eh bien, la beauté est une question de croyance personnelle et d'appréciation personnelle. Quelqu'un que vous trouveriez magnifique, peut-être pas le cas pour d'autres personnes. C'est-à-dire que, voilà, les extraterrestres de type humanoïdes célestes dont nous faisons partie, qui vivent en 5D, ils sont en 5D, donc en 50 Hz. Il y a des tas de choses qui se produisent à ce niveau, au niveau physique. Et puis, ils ont aussi des technologies de rajeunissement, des capsules holographiques de différents types. Ils ne vieillissent jamais. Question de Ghislaine. Par rapport aux 50 Hz, ma question, c'est que nous sommes en 3D, en troisième dimension. La planète Vénus est en cinquième dimension. Qu'en est-il des valeurs de fraternité et des valeurs éthiques, des valeurs spirituelles, lorsqu'on est en 5D et qu'on a sur cette planète de Vénus des énormes différences comme celles qu'on a sur la Terre? Wow, ça c'est tout un livre à écrire. Ils ont les mêmes valeurs, enfin ça n'est pas interprété de la même manière. Et de nouveau ici, je sais que ça vous intéresse beaucoup toutes ces questions, mais ça n'est pas du tout le thème central de cette visioconférence. Question de Sonia. Nous ici, on a la bulle qui est par-dessus notre Terre pour la mettre en 3D. Ailleurs, sur les autres planètes, on va parler de Vénus ici, ils n'ont pas de bulle. Donc, comment ils font pour respirer, je comprends pas. La bulle électromagnétique, ça n'est pas pour conserver l'oxygène. C'est fait pour changer les fréquences ou protéger une planète des dangers extérieurs. Question de Maria. Alors oui, je pensais que vu qu'il y avait des pauvres et des riches sur Mars, pour moi c'est de la dualité, il n'y a pas d'équilibre. Enfin, moi je le vois comme ça. Hein, donc. Et puis y a-t-il des géodes, des pierres précieuses sur cette planète ou semi-précieuses? Oui, c'est-à-dire que même dans l'espace, même en 5D, il peut y avoir une forme de dichotomie entre différents systèmes. Ceci dit, est-ce qu'ils sont dans le même type de dualité qu'ici? Non. Y a-t-il des pierres précieuses? J'imagine, mais je n'ai pas posé la question, alors je ne peux pas répondre avec précision à celle-ci, mais je pense que oui. Question de Franck. Les contrôleurs, je les mets un peu dans l'époque moderne, c'est-à-dire au début de nos années industrielles. À quel moment, en fait, l'homme moderne, les contrôleurs, sont-ils allés sur Vénus? Les Lyriens, vous savez, lorsqu'ils se sont enfuis de leur planète dans le système Lyra Vega, une partie d'entre eux sont allés sur Vénus. Puis ensuite, les contrôleurs draco-reptiliens ont pris le contrôle de cette planète. Ce sont des draco-reptiliens qui sont sous forme humaine terrienne, qui, entre guillemets, s'infiltrent dans un corps terrien pour continuer le contrôle. Les colonisateurs qui sont ici sur Terre, ce sont des extraterrestres de type draco-reptilien. Il y en a qui sont sous leur forme normale, dans des bases souterraines. Certains ont de longues queues à l'arrière, c'est ceux qui restent dans les bases, et ils n'ont pas de contact avec les humains terriens. Et puis il y en a qui font la navette entre les bases souterraines et la surface de la Terre. Ceux qui font le passage entre les deux permettent à certains draco-reptiliens de s'infiltrer dans des corps humains terriens qui font partie de la haute élite et de la cabale et tout ce qui concerne le SSP. Donc, ce que vous pensez être des terriens, entre guillemets, standards, normaux, souvent ne le sont pas. Ce sont des contrôleurs extraterrestres. Et donc, ces contrôleurs sont allés sur Vénus, ont conquis, colonisé, etc. Puis, les terriens y sont arrivés. Je pense que c'est assez ancien. Qu'ils ne sont pas là que depuis les années 50. Ils sont là depuis des millénaires. Question de Annie. Vous avez parlé de techniques pour modifier les fréquences
Donc ces personnes qui naviguent entre Vénus et la Terre modifient leur fréquence pour aller sur la Terre, je suppose, puis les remodifient pour retourner sur Vénus. Et est-ce que nous pourrions faire ça pour aller faire un petit séjour là-bas, voir ce que c'est? Oui, bien sûr. En fait, vous seriez emmené dans un vaisseau où il y a la 3D. Et puis, si vous y êtes pendant peu de temps, eh bien, ça ne sera que temporaire. Donc, il n'y aura pas énormément de transformation. On modifiera vos fréquences, mais surtout, on modifiera les fréquences du vaisseau dans lequel vous vous trouvez. Et puis, si vous y restez plus longtemps, à ce moment-là, vous passeriez dans une capsule holographique où il faudra entre 2 mois et 6 mois pour vous transformer complètement. Est-ce que donc sur Vénus, il y a des terriens normaux ? Il y a les deux. Il y a des élites qui sont des dracos reptiliens sous forme humaine. Et il y a des terriens élites, entre guillemets, normaux. Question de Irina. Je disais, les Vénusiens qui viennent en séjour à Saint-Tropez, si on est dans le même endroit en même temps, est-ce qu'on pourrait les reconnaître et avoir un échange, une conversation avec eux? En fait, ils ressemblent à des terriens. Il y a quelques éléments différents au niveau des yeux, etc. Donc, si vous le disent, oui, vous pourriez échanger, il n'y a pas de souci, s'ils ont appris le français. Pendant quelle saison ils viennent en voyage? Ils viennent l'été dans les stations balnéaires et l'hiver dans les stations de ski. Question de Louisa. Cette possibilité d'aller sur Vénus et aussi celle de devoir être modifiée, c'est est-ce que, en fait, il faut passer par un processus d'incarnation comme sur le plan terrestre, ou alors on sort de nulle part, on a été modifié, encapsulé, modifié, on arrive et puis du coup on peut mener et vivre sur le lieu où on a envie d'aller. Dans une capsule holographique, et ça prend entre 2 et 6 mois pour vous rendre capable de vivre en 5D normalement sans qu'il y ait trop de difficultés. Question de Franck, et ça sera la dernière question. Je voulais savoir si Vénus est comme la Terre de constitution torique, où elle serait creuse dans ses deux pôles, en fait, parce qu'elle a accumulé beaucoup d'eau, et donc est-ce que ça n'a pas fait effondrer justement son sous-sol ? Toutes les planètes sont des tores. Tous les éléments de l'univers sont des tores. Nous sommes des tores. Les cellules sont des tores. Les soleils sont des tores. Tout est tore. Et ce qui est tore n'est pas forcément... Et tout va s'organiser autour de ces énergies. La constitution de Vénus, c'est une constitution comme une planète, comme la Terre, puisque c'est la planète, la sœur jumelle de la Terre. Donc, elle est composée de la même manière, de terre, d'île. Donc, c'est le haut des montagnes, en fait, qui a dépassé les quantités d'eau qui se sont accumulées dans les vallées et dans les ravins. Et tout ce qui est resté, si par exemple on avait des déluges aujourd'hui sur Terre, il y aurait une quantité d'eau tellement énorme que tout ce qui dépasserait, ce serait le haut des montagnes ou les terres les plus élevées. Sur Vénus, c'est la même chose. Une partie des continents qu'il y avait sur Vénus a été submergée pour ne laisser que des îles. C'est un peu la même composition que sur Terre. Tout est or, c'est la structure universel de cet univers, tout est or, T-O-R-E. Maintenant, la composition de cette planète est similaire à celle de la Terre. Voilà, je vais mettre fin à cette visioconférence en vous remerciant pour votre présence et vos questions. Et nous nous reverrons dimanche prochain à 16h30. La visioconférence commence à 17h. Voilà, merci beaucoup. À dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien.